C'est à toi, bouge pas, je te l'emmène. On a su que le Covid, cette crise sanitaire, elle allait toucher tout le monde. Mais elle allait toucher une population qui, elle, est aujourd'hui beaucoup plus précarisée. Et donc c'est pour ça qu'on s'est organisé. Au moment où on a su que ça allait être compliqué pour des familles qui, clairement, n'arrivent pas à boucler les fins de mois, du manque à gagner, comment on pouvait les aider. Et donc l'idée, c'était de s'organiser pour organiser des collectes et de faire de la distribution de denrées alimentaires. C'était trop cher. Maintenant, tout est devenu double maintenant dans les magasins. Bon, comme c'est un peu difficile avec les enfants et mon mari, il a l'arrêt de travail. Donc, nous sommes obligés de venir vous voir ici. C'est la seule solution. C'est la même famille, ça. Et j'ai espéré qu'après le confinement, on ait une conscience et qu'on prenne à bras le corps ce problème-là, parce que ce problème-là, il ne date pas d'aujourd'hui. Il est juste en train de mettre en avant tous les problèmes qu'on dénonce depuis ces 30 ans sur ces inégalités dans ces quartiers.